Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité et confiance à Canal Congo Télévision et bienvenue à votre émission Zoom qu'on a l'immense plaisir de recevoir pour vous ces jours, Messieurs Jean-Fidèle Boyo, qui est un acteur de la société civile, l'homme de l'église au sein du village. Jean-Fidèle Boyo, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs de notre aimable radio. Bonjour à tous les politiciens. Bonjour aux acteurs de la société civile et bonjour à la profession santé. À la profession de santé, l'homme de Oui, l'église au sein du au sein du village. village et non de l'église au milieu du C'est village. Pourquoi cette impossible. expression? Non, c'est impossible. La réalité aujourd'hui n'accepte plus cette philosophie. Parce que c'est une philosophie où on dit église au milieu du village. À l'époque, on pensait être juste, c'est-à-dire au milieu du village, sens du milieu, c'est-à-dire la justice. Mais aujourd'hui, devant l'ouragan politique, frémir ou pas mûr, tout tombe. Il est pratiquement impossible que l'église soit au milieu du village. Parce que l'église doit s'exprimer. Et lorsqu'il s'exprime, il y a toujours un camp qui est toujours lésé par rapport à son expression. Donc, la meilleure philosophie, c'est l'église au sein du village. Lorsqu'on est au L'église au sein sein du du village, village, c'est-à-dire vous ça dit avez une tendance. tendance, vous Oui. donnez votre avis, votre observation, vous allez vous exprimer, dire ce qui est vrai et dire ce qui n'est pas vrai. Donc, c'est ça, être au sein du village, c'est pour Non, il n'y servir a tout le jamais eu monde. une église au milieu du village. Non, c'est impossible de parler. Cette philosophie a évolué. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus parler de l'église au sein du village parce que l'ouragan politique vous impose à donner votre tendance. Je donne l'exemple pratique. Nous avons la démocratie, les élections. Mais le cardinal a voté une de 26 candidats. Le président de la CENI, qui est au milieu, qui semble être juge de tout ça, il a voté. Le président Il de avait la aussi son Cour, candidat il président. avait son candidat. Le président de la Cour constitutionnelle avait donné son électorat. Il n'a qu'une personne. Tout membre de la société civile que je suis, j'ai ma tendance. Donc, je dis selon mon avis, j'exprime selon mon avis. À ce moment-là, je ne suis pas au milieu. Être au milieu du village, c'est être interdit même de s'exprimer. Merci beaucoup, monsieur Jean-Fidèle Boyau. On parle politique aujourd'hui avec les élections qui se sont organisées dans notre pays, la République démocratique du Congo. On est dans l'étape de l'examen des contentieux électoraux à la Cour constitutionnelle. Il y a eu des requêtes introduites dans cette haute cour de notre pays par le candidat Maléré Teur d'Ongoye et Ishe Ndala et appellent ou exigent l'annulation par cette haute cour de notre pays des élections tenues le 20 décembre en République démocratique du Congo, eu égard à certaines irrégularités constatées ci et là, ont-ils raison d'appeler à ce que les élections soient annulées pour penser autre chose, ou bien ils sont dans les faux selon vous? Donc, ce que moi je peux dire comme église au sein du village, c'est apprécier ces acteurs, ces Congolais qui ont accepté d'aller à la cour. Que nous sommes dans un pays d'état des droits. Et aujourd'hui, avant de répondre à votre préoccupation, je souligne que Théodore Ngoï est en train d'imposer son école. Et son école, c'est école de la justice, école d'un état des droits. Théodore Ngoï, lorsqu'il revendique, il fait recours à la justice. C'est un modèle à suivre pour chacun de nous. Si tu es mécontent, si tu n'es pas d'accord, mais allez voir le juge pour s'exprimer et attendre la suite, au lieu de faire la rébellion, au lieu de ramener les gens dans les violences, il faut plutôt prendre l'école de Tedongo, qui est école de la justice, une école procédure normale à suivre. Normale à suivre. Allez vers le juge pour exprimer. Vous êtes libre, personne ne vous interdit d'aller vers le juge. Et c'est ça un état de droit, et c'est ça être un démocrate. Donc, sur le plan pédagogique, Tedongo nous donne des matières pédagogiques pour sensibiliser, dire aux autres politiciens de ne pas amener la population dans le chaos, mais aller vers les juges, aller vers la justice
pour exprimer votre liberté. Ça, c'est sur le plan forme. Sur le plan il ne faut pas vous rêver. Il faut dire les juridictions compétentes. Oui, il faut aller là-bas. Oui. Et l'école de Teudong, c'est une école modèle que moi, personnellement, j'apprécie et j'oriente tous les opposants, tous les politiciens, tous Congolais, quel que soit votre mécontentement, allez voir la justice. Mais ils sont dans les faux ou ils sont dans les vrais. Jean-Fidèle Boyau, hein, j'aime vous appeler l'église au sein du village parce que vous tenez des propos avec toute clarté. Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont dans les faux ou dans les vrais? Regarde, parce qu'il y a eu certaines irrégularités qui ont été même reconnues par la CENI, cette institution d'appui à la démocratie, à part d'autres institutions. Ils sont dans le vrai lorsqu'ils appellent, parce qu'ils exigent aujourd'hui que ces élections soient annulées. Non, sur le plan fond, ils ne vont pas réussir. Ils ne vont pas réussir parce que lorsque nous regardons les Congolais qui se sont exprimés en faveur de Félix Tshisekedi, c'est pratiquement impossible que la Cour décide l'annulation. Lorsque nous regardons les difficultés logistiques et financières pour organiser les élections, ce sera impossible pour que la Cour arrive à annuler. Lorsque nous constatons les irrégularités, la proportion, l'influence de ces irrégularités par rapport aux résultats, par rapport à l'organisation, par rapport même à la vie démocratique du pays, nous disons que c'est pratiquement impossible. Le résultat attendu par Teudong Ngoy, c'est la pédagogie. Ce que nous allons tirer leçon est que les matières qu'aujourd'hui on est en train de défendre devant la Cour vont être reversées dans la Constitution, la version qui sera modifiée, parce que vous le savez, nous avons toujours démontré que notre droit ne s'adapte plus à la réalité. Et ce sont des matières qui seront prises en compte pour que la version modifiée de notre Constitution, la version qui sera présentée au référendum, tienne compte de ça. Parce que aujourd'hui, nous ne faisons pas les démarches pour nous. Les démarches démocratiques, c'est pour nos enfants. Nous voulons aujourd'hui construire la République démocratique du Congo de demain, là où nos enfants vont diriger et les choses vont aller conformément à la loi. Parce que notre loi aussi acquise des faiblesses, d'une adaptation à la réalité. Et ce procès va nous servir comme des matières pédagogiques. Donc, il n'y a pas question, selon vous, d'annuler ces élections parce que il y a fraude, parce qu'il parle de fraude, il y a certains particuliers qui détenaient des machines à voter. Est-ce que dans ces embrouilles, dans ces méli-mélos, cela n'entache pas le résultat publié par la CENI, notamment Félix Tshisekedi, qui a été déclaré vainqueur provisoirement par la CENI avec son 13%, cela n'entache pas sa victoire. Non, c'est-à-dire que le problème qu'il y a ici, la CENI doit s'exprimer aussi, dans le sens technique, pour nous dire exactement. Parce que je prends l'exercice simple, on nous dit par bureau, machine, c'est une affaire de moins de 1000 personnes. Moins de 1000 personnes à voter par machine, par bureau. Mais il y a des gens qui ont fait des bourrages avec plus de 4000, 3000 dans la même machine. Oui. C'est pour dire que les autres ne sont pas pris en compte. J'ose croire que si la CENI met à notre disposition les approches techniques de l'utilisation et de la considération intellectuelle de la machine, vous verrez que la machine n'avait pas retenu d'autres éléments. Et si nous allons en termes proportionnels, aujourd'hui parlons de ce qui est réel, on a suspecté, parce que ce sont des cas suspects, ils ont encore la présomption d'innocence, 82. Admettons les 82, tous ont mais les 82 représentent quoi? Pas l'effectif des candidats comme député national. Ça représente quoi? Et deuxième fait, ces candidats, tous n'ont pas voté pour Félix, il y a aussi les candidats de l'opposition. Oui. C'est-à-dire que vous n'allez pas réduire les voix seulement à Félix, vous allez aussi réduire les voix à l'opposition.
Oui, ça va balancer. Oh, c'est donc, du travail. Non, c'est du travail. Ce qu'il faut retenir, c'est simplement que ce sont les matières pédagogiques que nous devons récupérer. Parce que ce procès pose plusieurs questions. Sur le plan forme, est-ce que la CENI a le pouvoir de décider cette invalidation? Est-ce que... c'est reconnu dans la loi électorale, dans son article 21, 29, qui donne justement ce pouvoir à la CENI de se saisir face à certains problèmes électoraux. Non, de se saisir et de décider... Et de délibérer. De délibérer, ça c'est autre. C'est dans la loi électorale, article 29. Mais écoute, lorsque vous attrapez quelqu'un, lorsque même à l'université, à l'enseignement supérieur, vous le savez, il y a eu toujours des procès de tricherie. Mais il faut interroger la personne. Il a des procédures à suivre. Il ne suffit pas seulement d'attraper, mais il faut l'écouter, parce qu'il doit s'exprimer. Donc, à ce moment, à cette commission qui a été mise en place par la CENI pour identifier et statuer sur ces cas d'irrégularité. Moi, plutôt, je constate la faiblesse de procédure. Oui. J'ose croire, parce que je ne suis pas juriste, je ne veux pas m'impliquer dans la lecture juridique pour ne pas se tromper, mais en tant qu'acteur de la société civile, la CENI risquerait de tomber dans les questions de procédure. Que ici, la loi n'est pas si claire que possible. Si les 82 victimes attaquent la forme de la décision de la CENI, ils peuvent avoir la possibilité d'annuler la décision de la CENI par la Cour. Parce qu'il faut voir la forme de la décision. Et puis, si nous revenons, lorsque la CENI dit qu'ils ont utilisé la machine, la CENI sait très bien que ses membres aussi sont trempés. Les membres de la CENI sont trempés parce que ce sont eux qui ont complicité. Ils devraient d'abord commencer à sanctionner ses membres d'abord. C'est là où il a la gestion totale. Avant d'aller sur le plan politique, oui, ça veut dire qu'il y aura des questions. Et des questions aujourd'hui, j'ai suivi plusieurs intervenants dans les médias, mais vous sentez que les professionnels des droits sont en difficulté. Les juristes sont en difficulté exactement pour interpréter la position de la CENI et par rapport à la loi. Aujourd'hui, on parle de fraude. Oui, fraude sur le plan administratif et tout, mais fraude électorale. Alors, électorale, c'est une spécialité. Les élections constituent une spécialité. Alors, il faut des juristes formés. Est-ce que notre loi est plus claire que possible par rapport à ça? Nous disons pas tout à fait. Parce que vous allez vous rendre compte que les juristes sont en difficulté. Et parmi ceux les juristes de la République démocratique du Congo pour ce procès, ils sont en extrême difficulté. Parce que la loi ne s'adapte pas à la réalité. Mais nous, comme acteurs de la société civile, église au sein du village, nous disons que c'est une matière pédagogique qui nous permettra d'insérer dans notre version modifiée qui sera présentée au référendum de la Constitution. Notre constitution tiendra compte de ces matières aujourd'hui qui ne trouvent pas de réponse plus claire que possible. Chacun interprète de sa manière et même la Cour est en difficulté. Même le pasteur qui est candidat malheureux à la présidentielle, Théodore Ngoy, un juriste, un avocat, lors de ces... de ces audiences à la Cour constitutionnelle, il demande même à la Cour, il demande à la CENI de lui expliquer comment a-t-il obtenu 0,02%. Oui. C'est le résultat, c'est le pourcentage que Théodore a obtenu. Oui. Il demande, il y a des explications, comment il peut obtenir 0,02%. Oui, et c'est comme ça, nous disons, nous sommes en train de grandir dans notre démocratie et notre pays est effectivement un pays démocratique. Donc il a 4175 voix, donc
ce qui nous revient à 0,02%. Oui, à ce moment-là, lorsque les juristes sont en difficulté dans une matière purement juridique, ça pose un problème. Même la CENI, lorsqu'il a pris sa décision, aujourd'hui la CENI se pose plusieurs questions, parce que ça va aussi tourner contre lui d'une manière ou d'une autre. Et aujourd'hui, je vous dis que si la CENI aujourd'hui ne peut pas donner la version des listes provisoires des élus comme député, parce qu'il y a des conséquences. Admettons qu'il a écarté 82 candidats. Maintenant, il fait le calcul des autres et il donne la place à ceux qui ne pouvaient pas mériter. Et demain matin, si la Cour casse sa décision, c'est-à-dire la CENI sera dans l'obligation de revenir sur les informations. Aujourd'hui, ce qu'il faudra comprendre dans ces feuilletons, au moment où ces 82 candidats ont été invalidés par la CENI, directement ils sont allés d'autres au Conseil d'État, d'autres à la Cour des cassations, justement pour attaquer cette décision de la CENI. La CENI doit attendre obligatoirement que la CENI judiciaire puisse prendre fin avant de rendre public les gagnants de l'élection nationale et provinciale. C'est comme ça, j'ai toujours dit ici, notre loi ne s'adapte pas à la réalité. Vous vous rendez compte que le timing donné par la CENI est perturbé. Parce qu'aujourd'hui, la CENI a l'obligation d'attendre la dernière décision de la Cour par rapport au recours de sa victime. Par rapport à ça, parce qu'il ne peut pas avancer et la machine est bloquée. Tout simplement parce que la loi acquise des faiblesses. Notre loi ne s'adapte pas à la réalité. Le défi de notre président de la République, en dehors de la cohésion nationale, c'est-à-dire que le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, bien sûr la Cour va confirmer son élection, c'est une obligation pour lui de présenter notre constitution au référendum pour modification. Non, le peuple doit se prononcer pour modifier la constitution au premier lieu. À partir de ça, nous allons entrer dans les réformes profondes de plusieurs dimensions parmi les matières électorales. Il faut obligatoirement adapter la loi à la réalité. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays démocratique et un pays d'État de droit. Nous avons félicité la CENI. Nous avons félicité la CENI pourquoi ? Nous avons déploré toujours les comportements, l'indiscipline de nos politiciens. Nos politiciens ne veulent pas s'adapter au système de jeu, ne veulent pas s'adapter aux règles de la discipline. Et c'est pour ça que nous avons toujours demandé au chef de l'État de travailler sur la discipline multidimensionnelle, parmi lesquelles la discipline politique. Et aujourd'hui, avec cet acte, même si on remettait ces gens, les 82, dans leurs droits, mais ça reste déjà une matière pour les autres séances, les électorales, il sera difficile qu'on puisse revenir sur ça. Je donne un autre exemple plus pratique parce que c'est pédagogique. Le chef de l'État, en 2019, il a connu le procès des 100 jours. Mais avec deuxième phase, les 100 jours de cette élection, vous ne verrez plus ce qui était passé pour ce point parce que la matière du premier 100 jours nous a servi à certains politiciens. On aura encore un programme d'urgence de. Non, mais il a encore 100 jours. Il a encore 100 jours. Après son investiture, ça a 100 jours. Et 100 jours. Il aura 100 jours et après 100 jours, va tout dire. Un programme d'urgence. Il n'y aura pas parce qu'il est déjà maintenant. Là, tu as déjà une leçon. Et nous avons tiré des leçons, même les politiciens. Voilà. Lui-même, le chef de l'État a tiré des leçons. Il ne va plus accepter que cela revienne. Voilà. Donc, nous disons, il faut encourager la de continuer, mais il faut appliquer la loi et il faut ramener la constitution à sa modification. C'est très très important pour nous. Nous devons passer par le référendum. Monsieur Jean-Fidèle Boyot, au moment où les cherchent à régler leurs différends sur ces élections organisées le 20 décembre 2023, un ancien secrétaire d'État américain s'invite au débat
pour appeler à ce que tu l'aies sur séance de l'investiture du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi de Tshilombo, vu les irrégularités, entrer en profondeur, trouver des solutions avant l'investiture de la personne qui sera définitivement proclamée par la Cour constitutionnelle. Comment vous trouvez cette intervention de Herman Cohen, l'ancien secrétaire d'État américain? L'ancien secrétaire d'État américain n'a pas interdit à la Cour de dire au chef de l'État ou de dire au peuple que c'est Félix qui est élu président de la République. Mais ça va dans la logique selon laquelle le chef de l'État investit, mais il doit être investi avec ses élus, ses députés. Lorsqu'il est investi avec ses députés, mais ses députés sont encore en procès parce que aujourd'hui la CENI ne peut plus donner la liste provisoire des élus à cause de ce procès. Donc, il nous ramène à l'intelligence de dire que nos lois. L'opposition sont, sur les draps de. Non, l'interprétation politique de l'opposition, la lecture. Que même si le régime de Tshisekedi a été bercé par. Les États-Unis d'Amérique, l'ancien secrétaire d'État américain qui surgit avec de telles déclarations, est-ce que c'est il n'y a pas un flou là par rapport non, à la, il n'y a pas ça, ça c'est l'interprétation politique. Moi, je ne suis pas politicien, je suis un activiste de la société civile et notre organisation c'est la société civile pour l'émergence du Congo dont je suis délégué général. Je fais une interprétation de la communauté. L'intervention du secrétaire général n'est pas dans le sens interprété par l'opposition. C'est logique. Le chef de l'État est élu, mais il n'est pas seul. Il est élu avec sa majorité, avec l'ensemble de 500 députés. C'est ça. Et lorsque on investit le chef de l'État, demain matin, il va commencer le travail. Mais il va commencer le travail avec qui? Donnons l'exemple maintenant. Dès qu'il investit, il doit commencer à identifier la majorité et faire tout ce qu'il se... Avec qui? Parce qu'il n'y a pas de député. Il va encore chômer. Mieux vaut stopper. Même si la Cour se prononce que c'est Félix Tshisekedi qui est élu, et effectivement, ça sera comme ça, mais l'investiture, cette cérémonie doit attendre. C'est une façon de lui dire de faire tout pour vider les contentieux. Il ne faut pas être investi pendant que les contentieux continuent. Non, il faut vider. Nous avons une mauvaise habitude de notre justice. La justice amène toujours les matières à la longue. Non, ailleurs, ce sont des matières de quelques jours. Vous videz. Vous videz. Il faut vider cette question. Il faut dire exactement qui sont élus, qui vont travailler avec les chefs de l'État. C'est dans ce sens-là. Cause la victoire de. Non, c'est pas ça. C'est pas... Lorsque vous le suivez, vous ne trouvez pas dans lui l'intention de rejeter les résultats de Félix. Il l'a dit par rapport au contentieux. Parce que, par rapport au contentieux, la présentation de Théodore Ngoï, c'est, je pense, d'ici les 15, la Cour va se prononcer. Mais par rapport aux députés, ça ne sera pas d'ici les 15. Mais le chef de l'État, même si on va le confirmer les 15, mais il ne peut pas aller à la fête sans ses élus. Sans ses élus, non plus. Même moi, si je suis... Si j'étais le conseiller, le chef de l'État doit demander à ses structures, pour accélérer le processus de traitement des contentieux et vider ça. Lorsqu'on vide, je suis d'accord que le chef de l'État soit investi avec ses élus. Il ne peut pas être investi, tout est laissé, mais il va commencer le travail avec qui? Le premier ministre sortira où? Parce que vous n'avez pas les députés. Il va encore continuer avec l'équipe de Mbosso et les autres, là, comme les députés de la nation. Qui va encore les accepter pour se présenter à l'hémicycle? Personne ne va les accepter. Donc, il faut, le chef de l'État doit faire accélérer ce processus du traitement des contentieux. S'il faut remettre tout le monde dans ses droits, s'il faut arrêter, s'il faut les écarter, quelles que soient les décisions qui tomberont, mais il faut vider au moins
la question des contentieux avant son investiture. Avant son investiture, on s'achemine lentement, mais sûrement vers la fin de cette émission. Monsieur Jean-Fidèle Boyot, je rappelle que vous êtes membre de la société civile pour l'émergence du Congo. 52 candidats à la députation nationale, provinciale ont été invalidés justement par la CENI pour fraude, détention de machines à voter. Aujourd'hui, ils sont interdits de quitter le territoire national. Le procureur général Firmin Vondo, comment peuvent-ils sauver leur honneur aujourd'hui? Non, c'est ça la question. C'est la justice. L'image a été sale. Si la justice a pris cette disposition conservatoire, à plusieurs raisons. Parce que vous savez que nos politiciens n'ont pas de stabilité politique. Si ces gens quittent la République démocratique du Congo pour traverser, certes demain les avoir rejoindre Corneille Nangaa pour devenir rebelles. Mais non, il ne faut pas les rebeller là-bas, ici. Mais ils sont... Et ça, c'est un. Deuxième chose, c'est une façon de les encourager, de vider cette matière. De ne pas aller avec de couleurs là, non. Aller en justice. Il y a des députés, il y a des députés nationaux, il y a des membres du bureau de l'Assemblée nationale, des gouverneurs de la ville. Il y a des ministres. Qui exercent des fonctions d'État notre pays. Oui. Ils ont des privilèges. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas entré en contradiction lorsque le procureur général interdit à tout ce monde-là de ne pas quitter le territoire national? Vous savez, il y a encore des confusions. C'est comme ça que nous avons dit la loi pose des problèmes. Un ministre. Sur le plan considération, est-ce que le président de la CENI peut déstabiliser un ministre? Ils ont des humilités. Non. Un ministre du pays, est-ce que le président de la CENI peut le déstabiliser? Non. Vous voyez, c'est-à-dire que la loi ne dit pas que... La CENI est une institution indépendante. Alors non, le problème est que la Cour... S'il veut parler qu'il y a des ministres, mais la CENI n'a pas suspendu ou annulé, a pris la décision contre un ministre. La CENI n'a pas pris la décision contre un ministre. La CENI n'a pas pris la décision contre un député déjà élu. Non, la CENI a pris la décision contre l'individu candidat. Mais aujourd'hui, les gens font le lien entre leur fonction et les accusations ou la décision de la CENI. Ça pose déjà un problème. Vous ne pouvez pas dire, parce que qui est ministre? Est-ce que le président de la Cour, le président de la CENI, le ministre, a fait une décision plus à lui d'un ministre? Le gouverneur, le membre du gouvernement, doit être C'est comme ça. Vous voyez, dans d'autres cieux, on a toujours dit, lorsque vous voulez être député, candidat député, il faut d'abord démissionner de ses fonctions. Vous voyez, si ce ministre avait démissionné, on allait parler aujourd'hui des ministres qui sont, qui subissent non plus. Mais c'est parce que les amis de l'Union sacrément consacrée, comme tout politicien congolais, ont voulu conserver leur fauteuil. Ils ont pris des dispositions pour ne pas quitter, pour ne pas démissionner. Mais maintenant, ils sont rattrapés parce que la CENI dit pour moi, même si vous n'avez pas démissionné, mais moi je ne me considère pas comme ministre, je vous traite comme un candidat, comme tout autre candidat. Un point très pour la CENI, c'est limite là-bas. Mais maintenant le ministre dit, non, écoute, moi je suis ministre, comment vous pouvez me faire? La Cour dit, c'est un ministre, il ne peut pas sortir. Mais vous étiez où la Cour? Il fallait demander à ce ministre, au premier lieu, de démissionner pour revenir après les élections. Mais maintenant, c'est comme ça que nous avons toujours dit, notre loi ne s'adapte pas à la réalité. Les gens veulent prendre des décisions par rapport à leur faveur. Comme les ministres n'ont pas démissionné, le président de la CENI n'a pas pris une décision contre les ministres. Il n'a pas pris la décision contre les ministres, il a pris la décision contre les candidats. Pour sauver leur honneur, hein, parce qu'ils ont été salés, parce qu'ils sont trompés dans le vol. Hein, fraude, détention
de machines à voter, incitation à la haine, sont trempés dans un sale drap. Est-ce que le fait pour eux de démissionner ou d'abandonner la politique ne feront pas de grands? Bon, vous savez, à ce niveau-là aussi, la CENI a sa part de responsabilité. Parce que lorsque les autres vont démontrer leur innocence, certainement, la Cour va annuler la décision de la CENI. Parce que la Cour, cette commission avait des éléments. Oui, non, c'est-à-dire que... sur base de fait. Oui, non, c'est-à-dire qu'il y a droit de réponse. La commission statue sur base de fait. Il y a droit de défense. J'ai suivi dans les médias, les autres niaient. Les autres ont dit non, c'est pour des raisons politiques qu'on a inséré mon nom. Aujourd'hui, pour me faire rire, j'ai demandé à mon oncle, j'ai dit, oncle, est-ce que ton nom n'est pas là-bas? Il dit, je ne sais pas, parce que même si tu n'as pas fraudé, tu n'as pas volé, tu n'as pas fait, on peut insérer ton nom et directement on te publie. C'est pour dire qu'il y a aussi des cas d'enjeux politiques pour dépasser les autres acteurs. Et s'il y a de tels types de cas, c'est que nous n'acceptons pas. Il ne faut pas déstabiliser la personnalité de quelqu'un. Que vous avez des conflits politiques, non, c'est pas bon. Il faut accuser quelqu'un avec des preuves. Il faut accuser quelqu'un parce qu'il mérite cette accusation. Aujourd'hui, je la démontre devant la cour, devant le peuple, qu'il soit innocent. Ce n'est pas la totalité, mais même une partie de 82, qu'il soit innocent. Mais il faut les dédommager. Parce qu'il y a aussi un autre aspect, c'est l'aspect éthique. La considération politique par rapport au peuple. Oui. Je vous avais dit ici, j'ai dit, même si la loi de père et de mère ne passait pas, mais pour le peuple congolais, la loi de père et de mère existe. Et vous verrez les conséquences de cette compréhension pendant les élections. Vous avez vu comment est-ce qu'on a voté, Félix Tshisekedi. Parmi les facteurs qui ont fait qu'on puisse le voter, c'est l'influence de cette loi de père et de mère. Ça veut dire que pour la population, ça reste de père et de mère. La loi n'a pas été examinée. Non, examinons pas, mais le peuple, il a compris de sa manière, il a décidé, il va faire, il dit, de père et de mère, point barre. C'est pour dire que lorsque vous dites que celui-ci est fraudeur, il a fraudé, vous avez touché sur sa personnel, sur son éthique. Sur le plan éthique, il n'a plus de crédibilité. Lorsqu'il va passer, on va toujours voilà. Lui dire, ah, oh, mais voilà, c'est fraudeur. C'est fraudeur. J'ai vu dans les réseaux sociaux, on interroge les professeurs de droit qui sont parmi les fraudeurs. Il dit, mais vous-même, le professeur de droit, les grands professeurs, vous êtes des fraudeurs. Mais qu'est-ce que vous allez nous dire ici à l'auditoire? Vous voyez, c'est-à-dire que sur le plan pédagogique, leur éthique est entamée vis-à-vis de leurs étudiants. Les apprenants, on ne va plus croire à la matière, tout simplement parce que, alors, si celui-là est innocent, il faut le dédommager. Qu'est-ce que vous allez dédommager? Parce que c'est déjà considéré par la population. Nous demandons à la CENI d'être très vigilant, de ne pas faire les choses par précipitation. Il faut être convaincu que celui-ci a effectivement commis des dégâts. Il ne faut pas prendre les éléments, parce que même parmi les membres qui sont à la CENI, il y a ceux qui sont sortis des partis politiques. C'est-à-dire que ils sont là, mais ils ont leur tendance d'état parce qu'ils étaient envoyés par leurs partis politiques. Ils peuvent aussi jouer le jeu de leurs partis politiques et tout en état à l'intérieur de la CENI. Nous, comme église au sein du village, nous ne voulons pas que l'éthique des innocents soit entamée. Ce n'est pas bon. Le chef de l'État, un état de droit, nous encourageons tous les concernés, tous les victimes d'aller saisir la cour, de suivre Théodore Ngoï, un modèle à suivre parce que c'est la justice qui doit trancher. Merci beaucoup Jean-Fidèle Boyo, acteur de la société civile, délégué général de la société civile émergence du Congo. Je vous dis merci de vous en disposer. Merci beaucoup pour m'avoir donné cette occasion de m'exprimer. Nous disons notre pays est effectivement un pays démocratique et nous sommes réellement dans un état de droit et les éléments sont là. Nous tirons des leçons à chaque instant et nous estimons que demain, le chef de l'État va placer la Constitution. Merci beaucoup. Le référendum. Merci beaucoup. Vous étiez nombreux, mesdames, messieurs, à suivre cette émission Zoom. Je vous dis merci de votre sympathique attention. Une émission réalisée par Moro Njambe. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bonne évasion sur votre chaîne. Au revoir.